Me llamo Valentina Bonomo, nací en Argentina, en Buenos Aires, me crié en Francia y ahora vivo en Bruselas desde hace un poco más de 2 años y medio. Donc je suis née en Argentine, d'une mère française et d'un père argentin. Et un peu après ma naissance, ils se sont installés à Paris, où j'ai grandi. Quand j'étais petite, je retournais régulièrement en Argentine. Pas très très souvent parce que c'est loin et cher. Mais j'y allais quand même peut-être tous les 2 ans, 4 ans, ça dépendait. Et puis quand j'ai commencé à être plus grande et à voyager seule, partout où j'ai commencé à étudier et à gagner de l'argent, moi j'ai commencé à aller de mon propre chef un peu plus régulièrement. Et donc je trouvais un peu aussi des excuses pour aller en Argentine, puisque j'ai toute la famille du côté de mon père qui continue de vivre là-bas, donc à Buenos Aires. Mais à part ça, j'ai toujours vécu à Paris, donc avec des moments de voyage où je partais quelques mois au Brésil, j'ai vécu quelques mois à New York, comme ça, mais plus pour des voyages ponctuels. Mais sinon, j'avais toujours vécu à Paris jusqu'au moment où j'ai décidé de venir m'installer à Bruxelles. Avec ma famille, c'est assez étrange parce qu'on a toujours, mon père donc est argentin, mais on a toujours parlé en français à la maison. Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand je suis arrivée à Bruxelles que je me suis mis à vivre au quotidien en espagnol parce que j'ai dans mon travail, rencontré beaucoup d'Espagnols avec qui, du coup, on s'est mis très naturellement à parler espagnol parce que c'est la langue qu'on partageait vraiment encore plus que le français. L'espagnol d'Argentine est un espagnol très caractéristique, dont à la base j'étais fière et maintenant plus tellement. Et en fait, ici, je fréquente des Espagnols qui viennent d'endroits différents. Même quand je suis avec des Argentins ici, souvent ils ont mon ancien copain, il a vécu en Espagne très longtemps, donc il parle un mélange d'espagnol un peu hybride. Et du coup, mon espagnol se transforme aussi. Et je pense que c'est ce qui me permet aussi de le sentir plus proche de moi. C'est un espagnol qui est un mélange des gens que je rencontre et des choses que j'ai vécues. Et c'est un peu pareil avec le français. Je sais que mon français a beaucoup changé depuis que je suis à Bruxelles. Et j'aime bien ça, parce que je le sens très propre. Je sens qu'il parle beaucoup de mon expérience. Je suis arrivée à Bruxelles quand j'avais 26 ans et je suis venue un peu sur un coup de tête. Et c'est vrai que ça faisait un certain nombre d'années que j'avais envie de quitter Paris. Je pense que c'était un mélange entre une envie de voyager, de découvrir quelque chose de nouveau, de créer aussi quelque chose qui soit propre à moi. Donc je voulais quitter Paris sans forcément très bien savoir où aller. À des moments, j'ai quand même pensé à l'Argentine. J'étais à New York un certain nombre de fois et à des moments, c'est une ville qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai passé beaucoup de temps à Rio, au Brésil. Donc tout ça, c'est des villes qui, à des moments donnés, m'ont attirée, auxquelles j'ai pensé pour aller m'installer. Et donc bien que j'avais cette envie de créer quelque chose à moi ailleurs, j'étais un peu tiraillée avec cette idée de me dire je vais encore me déraciner et je vais encore être loin de ma famille. Et c'est vrai que Bruxelles offrait comme un bon intermédiaire. Et puis Bruxelles, ce qui m'a plu quand j'y suis venue les premières fois, ça a toujours été des week-ends où j'avais l'impression que je pouvais respirer, où je me sentais très à l'aise, très tranquille. Et je pense que ça m'avait attirée. Et puis la manière dont les gens vivaient aussi, dans un rapport de proximité où je sentais que la vie de quartier était assez développée. Évidemment, ils vivaient dans des plus grands appartements. J'ai visité des appartements que je trouvais magnifiques. C'est pas une ville comme ça qui se montre de manière imposante et avec éloquence presque, je dirais. Mais c'est une ville qui, pour moi, offre plein de surprises parce que justement, c'est en se baladant, en marchant, que tu découvres des atmosphères très différentes.
Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui, pour moi, est assez propre à Bruxelles, une forme de discrétion. J'ai l'impression que les beautés et des caractéristiques comme ça, c'est des choses qu'il faut aller creuser, un peu regarder. Et ça, j'aime bien. Comme tout bon français, je me suis d'abord installée à Saint-Gilles. Et c'était exactement ce dont j'avais envie. C'était un appartement avec de très grandes pièces, beaucoup de hauteur de plafond, dans une ancienne maison bruxelloise, un peu la caricature des beaux appartements à Bruxelles. Et je pense que j'ai été très contente de m'installer dans ce quartier-là aussi parce que en arrivant, il fallait que je me construise une vie, un quotidien. Et c'est vrai que c'est un quartier où on est très près de bars où on sort, où il y a plein de commerçants, de choses. Je pouvais faire tout à pied tout le temps. Et je pense que ça a été important, ça, dans un premier temps aussi pour m'intégrer. Et j'ai pas du tout ressenti cette solitude, quoi, à mon avis, on peut ressentir quand on arrive dans une ville et dans un pays qu'on connaît pas. Je me suis très vite sentie à l'aise. Et puis quand j'ai commencé à travailler dans le bar où je travaille encore aujourd'hui, ça aussi, ça m'a ouvert pas mal de portes parce que j'ai rencontré énormément de monde par ce biais. Et puis au bout de, ouais, un peu moins de 2 ans, j'ai déménagé à Schaerbeek. Et en fait, déjà, dans un appartement que j'ai acheté. Ça, c'était une idée que j'ai eue en fait très très rapidement après être arrivée à Bruxelles, où je me suis dit, moi j'ai toujours eu un peu ce fantasme, cette idée d'avoir un petit espace qui m'appartient. Et même si je décide de voyager, de partir vivre ailleurs à un moment donné, de savoir qu'il y a un petit endroit dans le monde où je peux laisser mes affaires, où je peux concentrer un peu mon énergie. Et Bruxelles permettait ça. Et je suis très contente d'avoir changé de quartier parce que aussi bien à Saint-Gilles dans un premier temps, c'était justement très confortable parce qu'il y avait pas mal de gens un peu comme moi qui débarquent à Bruxelles dans des milieux aussi un peu artistiques ou avec une vie comme ça un peu entre précaire et un peu aventureuse. Autant là, j'ai vraiment la sensation de vivre la ville dans ce qui me plaît aussi, c'est-à-dire un espace qui soit très cosmopolite, avec des milieux sociaux très mélangés. Et j'aime bien comme ça avoir la possibilité et être incité à me déplacer beaucoup dans la ville. C'est mieux. Comment? Pour moi aussi, c'est mieux. Pour le four, c'est bien. C'est mieux. Les goûts viennent, hein, comme Charlotte, Nicolas. D'accord. Oui. Ok. Oui, d'habitude, je vous prends les petites. Je vais prendre celle-là. Non, papa, les filles à la chaise, ils n'ont pas d'estimandé. Ok, ça va. J'adore mon quartier où je vis maintenant à Schaerbeek. Et même toute la chaussée de Haacht et plus bas dans les petites rues vers la rue Josaphat. Je trouve que c'est super crade, c'est super bordélique, mais il y a un genre de chaos qui me plaît. Et quand je me suis installée dans le quartier, je me suis tout de suite sentie super à l'aise parce que je pense qu'il y a une ambiance très particulière. Et la manière dont les gens vivent, la manière dont les gens sont dans la rue, on a l'impression qu'ils sont dans la rue, ils ne font pas que passer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien quand on a l'impression que les gens investissent vraiment la rue. Enfin, tu vois des enfants qui courent en plein milieu des voitures et c'est un peu inquiétant. Mais en même temps, il y a quelque chose où une espèce de revendication de OK, la rue, c'est aussi mon espace. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je travaille dans un bar qui s'appelle La Belladone et je suis barmaid, donc je travaille, c'est un bar de nuit ou disons de soirée puisqu'on ouvre à 17h et il n'y a pas d'horaire de fermeture. Donc, on a des horaires un peu particuliers, on est un peu décalé par rapport aux gens normaux, entre guillemets. En fait, quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai tout de suite, enfin, je suis venue aussi pour me construire un mode de vie dans lequel j'avais envie d'avoir beaucoup de liberté. Avant, j'étais salariée, je travaillais 5 jours par semaine avec des horaires de bureau dans une association de la banlieue parisienne dans le nord de Paris où je travaillais, j'étais chargée de projet et je construisais des projets culturels, artistiques, éducatifs avec des jeunes, des enseignants et des artistes. Et quand je suis venue à Bruxelles, j'avais envie d'essayer de me construire une vie
où justement je serais vraiment beaucoup plus libre de me dire si je veux travailler un dimanche, je peux travailler un dimanche, mais si le mardi je veux rester en pyjama toute la journée à la maison, je peux le faire. Et puis si je veux travailler très très dur pendant 3 semaines et puis du jour au lendemain dire bah voilà, je dois partir à tel endroit ou j'ai besoin de quitter la ville pour une raison ou une autre, j'ai envie de pouvoir le faire. Et travailler au bar, c'est ce qui m'a permis de me libérer de la question de l'argent, en fait, de me libérer de la question économique. Parce que je travaille 3 soirs par semaine, quelquefois 4, quelquefois 2. Et ça me suffit pour vivre. Alors je dis pas que je gagne des 1000 et des 100. Je suis en manque de rien, disons. J'ai cette manière de dissocier ma manière de gagner ma vie et les choses qui me stimulent, que ce soit intellectuellement, artistiquement, humainement, politiquement. Mais c'est un travail qui me plaît. Déjà. Et mes projets et les autres travaux que j'ai pu faire avant, c'est souvent des choses où on est un peu accroché à un ordinateur assez statique, assez cérébral. Et en fait, quand je suis dans le bar, finalement, j'ai pas grand-chose à réfléchir, si ce n'est être agréable avec les gens, faire en sorte qu'ils passent un bon moment, avoir un contact, un contact avec des gens très variés, faire en sorte que le bar tourne, courir partout pour faire en sorte que tout soit en place. Et donc c'est fatigant physiquement, et ça je crois que j'en avais besoin, de quelque chose où c'est pas juste un truc intellectuel. Et en même temps je suis tout le temps en contact de personnes, alors que parfois quand je travaille sur mes projets personnels, ça peut être aussi des choses plus solitaires. Et le bar, ça m'apporte vraiment ça. Je ne signerai pas de mon sang que je vais vivre toute mon existence à Bruxelles, mais je pense que la vie que j'ai aujourd'hui, ici, ou la vie que me permet Bruxelles, correspond avec mes attentes du moment. Je n'ai plus envie de vivre dans cette espèce d'hésitation, de « Ah, je pourrais aussi être ailleurs, comme je pourrais être ici », avec une espèce d'intranquillité permanente. Et là, il y a quelque chose où j'ai mis des choses en place, j'ai un réseau professionnel, j'ai un réseau d'amis. Je commence à me familiariser vraiment bien avec un système administratif, culturel. Il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir, mais je commence à comprendre comment ça marche. Je commence à connaître des gens aussi. Et je ne suis pas à un moment où je serais prête à me dire « je repars à zéro ». Je suis plutôt « j'ai envie de construire quelque chose ». Et pour ça, je pense qu'il faut focaliser ses énergies sur ce qu'on a envie de faire et donner de la continuité. Je pense que c'est important à un moment donné de prendre une décision, de dire je suis quelque part et je vais faire quelque chose dans ce quelque part. En tout cas, ici, j'ai trouvé un cadre dans lequel je me sens bien pour faire ça. Et ça m'apporte pas mal de tranquillité. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans, j'écoute énormément de musique brésilienne. C'est une musique qui me touche beaucoup. Et j'ai passé pas mal de temps au Brésil, donc ça a encore alimenté cet intérêt. Et je pense que je peux dire cette passion pour la musique brésilienne. Il y a un truc où c'est une musicalité, une manière d'être qui connecte super fort avec ce que je suis, je sais pas pourquoi. Et dans la musique, il y a un état d'esprit, des choses que... une espèce de nostalgie hyper joyeuse
qui je pense correspond un peu à ma manière d'être aussi. Mais du coup, c'était une musique que j'écoutais tout le temps et qui me permettait de... qui me donnait vraiment la pêche, quoi, qui me donnait de la force et en même temps, qui m'a fait fantasmer complètement un ailleurs. Et du coup, cet ailleurs, c'était le Brésil. Et je m'étais imaginé, un jour, j'irai au Brésil et je reviendrai pas. Ben, on peut le faire avant, non? Ok, très bien. Et l'autre question, c'était par rapport au juste au devis que vous m'avez envoyé. Ça va, ok, pas de problème. Merci. Au revoir. Un ami à moi de longue date, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, m'a proposé à moi et quelques autres personnes de faire une revue. Et donc il y a eu cette idée de faire une revue à partir d'un mot. Un mot qui viendrait du langage courant, un mot qu'on connaît tous, un mot très banal, à partir duquel on inviterait un grand nombre de contributeurs qui viennent de champs disciplinaires très différents, avec des champs d'exploration très différents. Il y en a qui viennent avec un... disons un statut très particulier parce qu'ils sont poètes, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont illustrateurs ou d'autres qui viennent juste avec leur subjectivité et leur envie d'explorer ce mot qu'on leur propose. Et l'idée, c'est de partir de ce mot, mais que ce mot serve de ricochet, disons, pour aller vers autre chose. Et qu'on commence ça. Genre les mycoses entraînent des mycoses. Ou alors ça peut être une phrase qui est au milieu, là, et qu'on déconstruit en prenant un truc. On va dire ça là-haut. Non. Pourquoi pas? Il peut y avoir un truc sur la moisissure, la végétation, les jeux de mots pour ave. Ouais, j'ai fait un truc sur les champignons. Les champignons qui ont envahi le coin. On a notre phrase de Et donc quand il a proposé de faire cette revue, moi j'ai dit ok banco, on y va. Et j'ai ce côté un peu bulldozer. Où je lui ai dit, ok, mais on a un projet, on a envie de faire ça, alors la semaine prochaine, on fait une réunion et ça commence. Et du coup, ça a été assez vite, parce que donc, cette première réunion qu'on a faite a eu lieu en novembre 2013, et en septembre 2014, on sortait le premier numéro. T'as vu, t'étais les dents dans ta chambre. Très bien. Non, et moi, je dois faire ce truc. Ah, c'est toi qui dois avoir la matière. Mais faire ça toute seule, c'est horrible. Non? Bah non. Ça m'a l'air tellement mieux si tu le fais avec moi? Non. Enfin, ça. Pourquoi? J'ai pas envie de faire un truc avec toi. Mais c'est pas avec lui. Bon, bref. Bon, on verra, on en reparlera, je te convaincrai dans un jour. Quand on a commencé le projet papier-machine, le projet de revue, moi, il y avait un truc que j'avais en tête. Dès le départ, c'est que c'était un projet un peu déterritorialisé. C'est-à-dire que le projet en soi et la manière dont on l'a conçu, il n'était pas spécifiquement lié à la ville dans laquelle nous, on était en train de le construire. Et donc, on aurait pu l'imaginer ailleurs. C'était plus dû à notre réflexion et une réflexion sur le langage en général qu'une réflexion sur l'endroit et sur le monde dans lequel on vit, plus que sur le lieu dans lequel on vit. Mais s'il existe tel qu'il existe, je pense que c'est dû à des caractéristiques propres de Bruxelles aussi, que Bruxelles nous a permis de développer de cette manière-là. Finalement, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie et je pense d'ingéniosité pour développer ce projet, mais j'ai pas eu l'impression de devoir vraiment me battre corps et âme pour que ça existe. Après, peut-être que c'est parce qu'on a eu la chance, c'est qu'on a fait les choses bien, mais j'ai l'impression qu'il y avait un espace, qui permettait de le faire. Un espace, c'est aussi, je pense, une grande ouverture. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que très vite, des gens nous faisaient confiance. Que ce soit des directeurs ou des gens haut placés, ou des directrices, ou des gens haut placés dans des structures culturelles, ou dans le milieu de la culture, ou même les libraires qui nous ont tout de suite fait une place. On a fait beaucoup de,
On a été voir tous les libraires à Bruxelles, enfin tous ceux qui nous paraissaient en tout cas pouvoir être intéressés par ce qu'on fait. Il y en a eu beaucoup. Et ils nous ont tout de suite fait une place dans leurs étalages. Enfin, il y a quelque chose de... C'était un nouvel objet dans le panorama éditorial bruxellois et belge francophone. Et du coup, dans cette perspective-là, j'ai l'impression qu'on a été tout de suite très bien reçus et que ça a généré de la curiosité. On avait envie de faire quelque chose qui soit pas du tout dans l'actualité, qui soit pas du tout contraint par des tendances médiatiques. Je pense que ce qui est proposé dans la revue, c'est des choses qui sont très contemporaines. Parce que c'est une revue de création, donc tout ce qui est fait pour la revue est fait maintenant par des gens de générations très très différentes, avec des niveaux de notoriété très différents, mais qui en tout cas tous vivent à la même époque que nous aujourd'hui. Donc nécessairement, il y a quelque chose de contemporain dans ce qu'ils proposent, mais pas inscrit dans l'actualité nécessairement. En fait, Papier Machine a commencé un peu comme un jeu, mais je pense que ça continue de l'être. Et je pense que le jour où ça ne le sera plus, peut-être qu'on arrêtera. Parce qu'en fait, c'est... même si ça nous amène à beaucoup de réflexions, c'est une forme d'engagement de notre part, ce qu'on fait, ça reste un jeu et c'est un peu notre manière de faire aussi et notre état d'esprit qui crée ça, je pense. Oui, c'est bien. Bah, si vous voulez rentrer, j'étais à Dune que je l'attendais devant, mais... il y a genre 10 minutes pour que tu On s'est mis à exister à Bruxelles parce qu'on avait fait ce projet-là, parce qu'on a cette revue, qui est donc la revue Papier Machine. Et les gens nous connaissent parce qu'on a fait cette revue. Et donc il y a quelque chose de... ils te connaissent pas parce que je viens et je te parle de mes diplômes et je te parle de ce que j'ai fait ou que j'ai des grandes conversations ou je t'envoie mon CV ou... mais les gens qu'on a contactés, c'est parce qu'on avait quelque chose de concret à leur proposer, une collaboration. Donc je pense que c'est la manière la plus intéressante de rencontrer des gens, d'avoir surtout des gens que tu as envie de rencontrer, qui ont une manière de penser qui t'intéresse, c'est de pouvoir leur proposer de faire quelque chose ensemble. Et donc ça, Papier Machine, ça nous donne un cadre génial parce que je rencontre quelqu'un dont j'admire le travail et je peux lui dire « Viens, on travaille ensemble et ça va être bien !» Et surtout, les gens sont mis à nous connaître et même parfois à nous contacter, à nous faire des propositions ou à vouloir travailler avec nous parce qu'ils avaient vu ce qu'on faisait, qu'ils ont vu l'état d'esprit qui était derrière ça et que ça leur a plu. Papier Machine, c'est une revue, c'est un objet en soi, mais l'esprit qu'on est en train de développer et les diverses collaborations aussi qui se construisent autour de Papier Machine avec différents types de personnes nous amènent à faire des choses très très différentes. Et du coup, c'est un espace qu'on a créé dans lequel je me sens très bien parce que à la fois j'arrive à construire une unité, c'est-à-dire je sais que j'ai ce projet-là qui est comme un macro truc, un macro projet, mais au sein duquel on peut explorer des choses très très différentes sous des formats très différents, très gros, très petits, avec plein de personnes, de manière très intime, dans un rapport plus de transmission, dans un rapport plus de création. Et ça, je trouve ça très très riche. C'est pas comme si c'était ma création. C'est pas comme si c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, c'est vraiment un travail collectif. Même si on est 2-3 à prendre un peu les décisions et tout ça, c'est vraiment un objet qui est l'issue d'un grand nombre de collaborations. Donc je dirais pas que je me sens pas du tout représentée par cet objet, vraiment loin de là. Par contre, tout le discours qui est derrière et la manière de travailler, oui, ça c'est mes associés et moi. Là il y a quelque chose d'effort et je pense que je me sens très très à l'aise pour le défendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'anime et c'est ce qui structure fortement mon quotidien. Disons, c'est là où je mets toutes mes énergies, mes idées, tournent autour de Papier Machine. Mais en fait, pas juste pour l'objet revu en lui-même, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est important. Alors, ça dépend des personnes, mais moi, en tout cas, je pense que je suis un peu hyperactive et j'ai beaucoup d'idées à la minute et j'ai beaucoup d'envie et que c'est très facile de se disperser. Et en fait, je me suis rendu compte, ce qui me fascine avec Papier Machine et ce qui me fait me dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui est un peu la chose la plus importante,
c'est que j'y vois un moyen de raccrocher un peu tous les wagons de ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est un projet qui, même s'il est simple en apparence, permet de toucher à énormément de choses, en fait. Je crois que le plus important pour moi, c'est de préserver un mode de vie. Oye,